Bonjour, bonsoir. Je me nomme Magdalena, rédactrice au NNG Magazine. Je suis là pour vous présenter le Ladies and Gentlemen Magazine. Pour commencer, un peu d'histoire. Le LNG naquit dans l'esprit de trois copains. Trois gentlemen, trois caballeros. Victor Accard, François-Pierre Robineau et Adrien de Bouchevalois, moi-même. A dire vrai, je suis François-Pierre, le premier qui en a eu l'idée. Doués tous les trois de différents talents, qualités, formations et opinions, nous décidâmes de tout coucher sur le papier. Aux heures où la presse s'écroule de jour en jour, que voulez-vous ? On aime aller à contre-courant. François-Pierre devint ainsi rédacteur en chef, et en septembre 2016, le premier numéro en version numérique vit le jour. Les sujets traités ? Oh, seulement de l'histoire, du cinéma, des séries, de la littérature, de la photographie, de la sexualité, des coups de gueule, des cuisses, des tests psychologiques, des cours de bonne manière, de l'onologie, de la zytologie. Et cette liste n'est pas exhaustive. Fort de leur petit succès, nos gentlemen se rendirent compte d'une chose assez ironique. Ce magazine s'appelle le Ladies and Gentlemen, mais aucune femme n'écrivait alors dans ce magazine. Ni une ni deux, nos trois caballeros m'accueillèrent. Et cela ne s'arrêta plus. De nouvelles ladies et de nouveaux gentlemen, séduits par le magazine, rejoignèrent notre équipe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, j'ai l'idée de décliner les principes et les idées du LNG sur YouTube. En effet, ce média nous permet donc de proposer de nouveaux programmes, certains sérieux et d'autres beaucoup moins, mais toujours dans l'esprit du LNG. Le LNG, c'est ça. Une idée née dans l'esprit de trois copains, qui désormais est une réalité partagée par nombre de ladies et de gentlemen. Alors, pourquoi ne pas nous rejoindre ? Que vous soyez lectrice, lecteur, écrivain, confirmé ou amateur, le LNG sera ravi de vous accueillir. Je finirai donc cette présentation par la devise de la finale Touch School, la célèbre école de maintien britannique. Être un garçon dépend de la naissance, être un homme dépend de l'âge. Mais être un gentleman, c'est bon.